pour moi. Et n'a pas remercier tout le monde, tout intervenant qui t'a fait, qui t'a contribué pour faire moi de la prudence là. Saleté. Mais nous capable dire c'est moi qui achevé course là, c'est moi qui pour aller. Mais la prudence est toujours de mise. Amen. C'est ça que nous avons invité vous pour ouvrir le bébé avec nous dans la matière, dans le livre Matthieu, chapitre 10, là, côté nous déjoignons. Thème nous, verset, chapitre 10, verset 16, côté nous tiré thème là, et a dit, voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Voilà, Dieu. Donc, prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Et ça fait me sentir, semaine dernière, et vendredi, à côté de Pasteur Poupa, t'as râlé somme 23. Et pour le centrer message là et gain phrase qui t'a attiré attention moi c'est distance côté David sorti pour joindre onctionné avec palais royal là et bien vallée ça il t'a relé la vallée de l'ombre de la mort et chers frères et sœurs jodi a côté nous en pleine pandémie mon a tombé mon a malade mon peur vraiment nous nos moments nous nos similitudes nous nos moments et côté qui similaire avec Valéza vallée de l'ombre de la mort n'a victime tout gens et ça t'a dit un homme levé sans corona, sans aucun signe de défaillance, un homme bien athlétique, et puis il t'a sorti pour la régler les affaires li, et puis pour ne pas rentrer, ça fait ça, il y a un malfrat pour le mettre genou sous couler pendant 9 minutes. Mais là, après les secours, mais là, Abdil pas capable, l'a tout fait jusqu'à ce qu'elle trépasse. Aux yeux et à l'assistance des sanguinaires par elle. Et monsieur, ça son bagage qui est vraiment épouvantable. Et moi, pas imaginé, les bagages ça, m'a imaginé de mort tragique que certains compatriotes nous, qui étaient victimes du 12 janvier, mais eux-mêmes, ils étaient sous décombre. M'a imaginé mon nom coincé, chaque fois le fond mouvement, il n'est pas capable de sortir. Et puis c'est là qu'il était. Il passait des heures. La pagonie, il passait des. Jusqu'à ce que lui rende dernier soupir. Il serait passé. Ou imaginez. Il est mort comme ça. Comment tragique. Mais ça lui-même, aux yeux de tous les réseaux sociaux, il a menotté, maîtrisé. La parler souffle à couper langue ni la parler non langue que tout le monde comprenne. Mais malgré tout, méchant va gagner qui est touché. Et bagage ça va le faire toute une semaine. M'enflammé. Et c'est si juste côté m'a parlé avec vous là. Donc, prudence. Parce que nous avons millions, nous avons mis tant de loups, nous avons mis tant de soies sauvages. Et prudence. Prudence n'a pas manifesté seulement dans un simple port de masque. Laver mes nous. Mais il y a également une attitude raciste des individus mal intentionnés. C'est à tes guérisons. Il dit nous, la voyez nous, nous mettons loup, nous mettons oiseau sauvage.
mais des prudents comme des serpents. Et surtout, on a vécu dans une société où les couleurs pour nous va jouer en faveur nous. Côté une société qui mettait accent sur, ça me dit, sur harcèlement, ou monde qui gardait, ou monde intentionnellement. Et la vive, côté que nous connaissons, il y a des fois, de monde qui qu'on a pris plaisir avec un millionnaire, avec un monde qui te gagne l'argent, 30 ans après, avec tout consentement, 30 ans après, là, il porte plainte, mais ça a été subi. Ou jouer des batteries d'avocats campés pour attaquer le monde en justice et finalement, ils ont fait le dédommager. Quelle hypocrisie dans la société. C'est à te guetter qu'on est. On a vu dans le temps lourd. Et parfois, atrocité est tellement élevé. Et même dans la prière, qui s'est attendu à nous, nous qu'on a dit que ton règne vienne. Mais, comme nous-mêmes, ce n'est pas dans le moment ça seulement, nous sommes toujours avisés. Ce n'est pas dans le moment ça nous sommes toujours à relater des propos qui montrait que nous bouquons. Et nous étions toujours avec Somme 91 nous en bouche. Nous étions toujours dans Somme 91 nous en bouche. Nous étions toujours, côté Salmis, nous étions toujours dit nous, tu ne crains pas, le monde c'est aujourd'hui. Mais nous-mêmes, nous étions toujours gagné, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Nous t'es toujours qu'on gagne parole ça dans bouche. Que mille tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Et tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Nous t'es toujours qu'on gagne parole. Et ça fait, en plus fois, nous pas étonnés même là tout le monde. C'est ça fait, je dis, nous pas écraser, briser dans la rue à tout. Nous avons un esprit de discernement. Esprit de discernement, ça, qui permet de nous connaître, qui est pour nous tirer la révérence. Parce que maître, là, tu as dit, nous, je vous envoie au milieu des loups. Soyez donc prudents. Vous Dieu nous fidèles. Serviteurs, nous habitués. Nous jouons des exemples. Élie, sous l'époque Akab, nous te connaissons des exemples à méditer. Le Daniel, c'est dans la ville Babylone. Tu as autant de loups, tu as autant de gabaonais. Cap Vini, Daniel, pas te garé, ou vieux divin, wa. Daniel, pas te garé. Pour bel plat, bel couvert. Parce qu'il te guette en au monde qui te guette en fait provision pour lui. Et, mon yo très malicieux, il y a des mondes qui l'élevine dans la vie où, c'est ça ou gen dans mon l'élevine prend. Mais pas oublié, nous te guette avec, si ça ou gen dans mon là, qui est bel fort. Afin que personne ne prenne ta couronne. Jésus compte comment t'as voué nous, le bon Dieu t'as voué nous. Il te connaît. Et ça fait nous toujours gagner assurance, nous toujours prendre défense, nous toujours prendre défense nous. David est devant Goliath. Toujours là. En pile prudence. En pile prudence. Pas coûter renaio. Les hommes
sous la terre côté d'a vivre là, yo kon créer des compagnies d'assurance, c'est vrai. Mais nous-mêmes assurance pas bon Dieu. Li agit avant même de bousailles là yo pété. Et c'est ça qui fait nous kon différent. C'est ça qui fait que assurance pas noir différent. Elle a marché avec mon Dieu. Assurance les hommes, ou toujours, gagne yon article qui écrit, yon alinéa qui écrit en ligne, en lettre très fine, ou pas kawé, ou toujours nos politiques, monter, descendre, ou toujours dans la justice. Mais bon Dieu, pas nous. Mais toujours, il y a des gens qui font des bagailles. Et parfois, il y a des fois, bon Dieu quitte les bagailles, il quitte les bagailles, parfois, il faut que les gens soient défilés. Mais il y a des fois, il crase, on ne pas même sentir ça, on ne pas même voir ça. Parfois, on ne pas même rendre compte. Là, on passe. C'est ça que fait bon Dieu ça. Nous pas capable de servir. Il dit nous prudents. C'est prudent. Et prudence, chrétien, m'abdou matin, prudence, pas marcher sans obéissance. Mais bien aimé. C'est ça que fait, même pour COVID-19 là, en pile monde, Getal, Bouachatan, puis le monde Getal dans le pays sans chapeau. Parce que, en dépit de prudence, ils ont demandé au prophète, mais ils n'ont pas obéissant. Parce que, malgré les restrictions, mais peuple, ils ont même, ils ont lagué quoi, ils n'ont pas quoi. S'ils l'ont ou quoi, ils ont quoi. Mais peuple, bon Dieu, qu'on est, comment pour le bénir, même avant l'événement. Étendez, peuple qui te connu une bénédiction, peuple qui te connu obéir avec restriction, bon Dieu. Nous, comment il te connu béni, si nous jetons un coup d'œil. Dans Deutéronome chapitre 28, nous est que les maladies à venir, yo di moun yo, mais ça pour yo faire, mais comment pour yo agir, pour yo protéger, pour yo bénir, en dépit de tout, yo lagé corps, yo tombé, puisque gon prix pour payer, l'on pas obéissant, eh bien yo payé le prix. Mais le peuple de Dieu, les que ou prudent, les que ou obéissant, ou joigne la bénédiction en abondance. Parce que mettre la te préparé pour ça. Mettre la te en fait provision. Dans Deutéronome, chapitre 28, pour le monde qui a fait prudence sans obéissance, ou manquons de bagaille, mais l'on prudent ou obéissant, tendez ça que. Parole l'a dit, Deutéronome chapitre 28, il dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Maintenant, nous venons prudent. Gardez prudence. Mais fort ou obéissant pour capable jouer une provision. Parce que bon Dieu t'a fait provision pour nous. Il dit, voici toutes les bénédictions qui se répondront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu
tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans les champs, les fruits de tes entrailles, les fruits de ton sol. Et si nous lis Deutéronome 28 là, des versets 1 à 14, il n'y a pas le monde, l'eau de prudence ou accompagner d'obéissance. Et qui ça ou capable de récolter? Mais là où fait contraire à tout, ou gain malédiction. À partir du verset 15 à la fin, il dit, si tu n'obéis pas point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu ne le serves pas et mets en pratique tous ses commandements et toutes les lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Tu seras maudit dans la ville. Et puis, ou pas obéissant, vous prie à payer. Mais l'on obéissant, l'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Alléluia. Mais c'est lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu. Aujourd'hui, lorsque tu les observeras et tu les mettras en pratique, et que tu ne détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je te donne aujourd'hui pour aller près de Dieu. Chrétien, bénédiction là. Et l'on obéissant, tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. L'Éternel te comblera des biens en multipliant les fruits de tes entrailles. Les fruits de tes troupeaux. En pile fois, mon yoro, yo pas qu'à comprendre nous. Ou qu'on non travaille. Ou à toucher même j'ai avec ou l'autre monde. Il y a des fois, les toucher plus par chaud. Ou faire plus économie par celle. Parce que pendant, ou à garder prudence là, ou obéissant. Et ça fait l'Éternel, tu remplis la prescription pour vous. Et ça fait même leur abdormi. De quelques litres de sérum, de quelques consultations, dans plein pandémie en une jeune, qui ne font pas malade. Moun ne pas pour qui ça. Et nous, mettre là, faire provision pour nous. Nous, bon Dieu, t'as loué Jean, même dans signature. Là, la loué Jean, la loué Jean, dans l'île de Patmos, dans signature. Quand il dit Jean, je suis l'alpha et l'oméga. Donc, si c'est ça, yo, nous ne pouvons pas passer aujourd'hui. Nous ne pouvons pas passer. Mais on sait le bagaille. C'est mettre la confiance. Par honte de l'évangile là. Publier au bien haut. Et lui-même n'est pas suspendre, défendre cause ou. Devant une nation infidèle, ça. L'évangile là qui c'est en puissance. Et monde qui confie yo dans l'Éternel, yo pas jamais perdu bataille. Pas oublier. Matin, c'est Karl qui a fait lecture pour nous. Dans Somme. Somme là, dernier verset a terminé. Pour faire louange. Nous ne pouvons pas suspendre louer, bon Dieu. Mais avant de m'arriver là, avant de m'arriver dans louange là, pendant la fête prudence, quand nous sommes terminés, louer l'Éternel, mais m'a dit, pendant que nous fait prudence, nous confions dans l'Éternel, pas oublier, au terre, Somme 34 là qui t'a fait louange à l'Éternel. David, il t'a loué l'Éternel. Il commençait pour le dire, je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Et plus tard, nous allons louer. Devant loup, devant loi sauvage, David, dis-nous, la provision que Salmis a fait. Il te dit nous,
Pendant nous prudents, pendant nous avons mis tant de loups, ça n'a pas besoin d'occuper, joie sauvage, ça, méchant, ça, l'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Et pendant que nous avons mis tant, il y a un pile de bagailles qui arrivent nous. Nous avons mis tant de loups, un pile de bagailles qui arrivent. Et ça, nous l'a dit, dans Somme 34, verset 22, il a dit, le malheur atteint. Non, verset 22, il dit, le malheur tue le méchant. Et les ennemis du juste sont châtiés. Et des fois, c'est à l'école de Dieu, en pile fois, tu vas y arriver. C'est fait, bon Dieu, fait personnalité. Dans mes temps, loué. On va garder prudence. Parce que le malheur atteint souvent les justes. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Maintenant, on a pris d'eau. Puis on va suspendre. Fait louange dans le temps de détresse. Pas suspendre, fait louange dans le temps de louyo. Dans le temps de sauvage. Jean, tes sommes n'ont été terminées maintenant. Et parce qu'elle pèse sous lit, lui dit, lève-moi. Dit, louez l'Éternel. Fais louange pour mon Dieu. Un seul bagaille. Jésus te voyo, dans le temps, c'est vrai. Dans le temps, lui, qui a dévoré le monde, qui a crasé, brisé, qui a mis les genoux sur le nez du monde, qui a fait autre passé. Ça n'a pas de malade. Bien-aimé, Abdou Matéan, il y a un secret dans la louange. La prière des louanges. La Bible dit non, Paul à Silas, t'es enfermé dans la prison. La nuit même, pendant que monsieur est en prison, il pète ton louange, il pète ton adoration. Et il t'est délivré grâce à la prière des louanges. Et nous avons l'autre résultat que louange bail. La prière de louange casse les chaînes. Nous sommes capables de dire la prière de louange, c'est la clé de la délivrance. Vous tous, peuple, louez l'Éternel. Nous, après le passage de la mer Rouge, Marie, la sœur d'Araon, nous t'avons loué avec tout tambourin seulement. Et toutes les femmes viennent après elle. Et la Bible dit, en dansant, Marie répondait aux enfants d'Israël. Chantez à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. Exode 15. Matin. Pétons louange dans Kaila. En pétons louange dans la Eden Peace Ministry. Et bon Dieu, pape, montrez-nous. Montrez-nous ça pour être niveau. Parce que la prière de louange, c'est la clé de la délivrance. Prenez l'habitude de louer l'Éternel, de célébrer son nom. Et on va pouvoir délivrance. Amen. Et bien aimé, nous allons terminer pour nous dire. N'a pas célébré. Et nous pas fini pour nous pas dire où pendant n'a pas célébré l'Éternel. Songez de gagner un chrétien de premier siècle du nom de Como. Il s'était dit chanter, c'est prier de foi. Parce que dit-il, les chants nous rapprochent de Dieu. Vous tous, peuple, louez l'Éternel, écoutez le nom de l'Éternel. Louez le nom de l'Éternel, éclatez sa gloire. Somme 100 dit, poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Venez avec allégresse. Et Somme 100, bien-aimé, s'il n'a pas couru toute Bible-là,
n'a trouvé en pile serviteur de Dieu qui t'a loué l'Éternel dans les situations difficiles. Il loue l'Éternel dans la joie, il loue l'Éternel dans la après la délivrance, il loue l'Éternel en prison, il loue l'Éternel parce que la louange, la somme n'a dit nous matin, c'est la clé de la délivrance. Et bon Dieu lui-même, il lui prend plaisir au milieu des louanges de son peuple. Chanter. Et nous-mêmes tout. Nous prenons grâce, nous nous faisons bénédiction. Nous. Et Dieu aime les louanges. Si nous voulons sortir victorieusement dans ça, nous y est là. Prenez l'habitude de louer Dieu. L'Éternel, lui-même, qui s'est conseillé nous. Maintenant, il est donc conseillé à tout un chacun de prêter attention aux paroles des chants que nous chantons. Bon, c'est des belles cantiques, des belles chants qui sont dans le chant d'espérance là. Les chants de combat, les chants de victoire, les chants d'allégresse. Ouais, moun qui t'a relié chant, yo prend sang yo, yo commencé classifier chant yo de deux chants d'adoration, de deux français jusqu'à 37 chants d'adoration, chants de louange, chants d'allégresse, etc. Matin, en pile dans chant nou yo, nos chants sont porteurs de messages. Ouais, quand David a terrassé Goliath, les femmes ont chanté des cantiques, des louanges. La louange, c'est la clé de la délivrance. Ne soyez pas timide quand vous servez le Seigneur. Les, nous, dans le service, même les nous, la caille, nous, nous, pas dans la mitan assemblée, quand Pasteur Kal dit, étendre mes noms en l'air, louez. Danser, nous faisons des sacrifices, des louanges. Enfin, moi je crois que Jean Thème est venu pour tout le mois de mai. Je crois que nous avons tiré le maximum dans le thème ça. Et Jean nous a dit là, c'est moi à Cali. Mais quand t'as pour prudent, n'a toujours prudent. Et Jean Somme dit non matin, à ce point, c'est louange au bon Dieu. Et une culture de louange. Lorsque l'église là, louez l'Éternel. À la maison, louez l'Éternel. Dans la prison, louez l'Éternel. Dans le travail là, louez l'Éternel. Parce que louange au bail en pile résultat. Et quand vous louez l'Éternel dans une situation difficile, son preuve de foi, ou joindre son joignot. Mes chers frères et sœurs bien-aimés, on est béni. Bon Dieu, pape, suspend. Passez bon côté. Bon Dieu, pape, suspend. Béni. Mais on sait le bagaille. J'aime tape deux matin. Pendant qu'on garde prudence. Pas oublier. Embrasser. Obéissance là. Car, sous prudent ou pas obéissant, eh bien, il y a un pile mot d'ordre qui passe de vous pas obéir ou être victime. Et nous, je nous ai dit dans Deutéronome chapitre 28 là, ouais, l'on prudent, l'air que vous obéissez,
au commandement de l'Éternel. Qui ça qui est réservé pour vous? L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, les ciels pour envoyer à ton pays la pluie en son temps, pour bénir tout le travail de tes mains. Et tu prêteras beaucoup de nations. Et tu n'en prêteras point. Mais tout ça qui gagne, pendant qu'on garde prudence, on obéit au principe. Mais les qui sont imprudents, en pile mal est arrivé. Ta corbeille et ta ruche seront maudites. Les fruits de tes entrailles, les fruits de ton sol, les portées de ton veau, de ton béni bétail, toutes ces choses seront maudites. Tu seras maudit à ton arrivée et tu seras maudit à ton départ. Voilà. Maintenant, nous allons quitter. Toujours garder prudence. Toujours garder ses préventions. Toujours rester à la protection, à l'abri de ses ailes. Tu ne seras pas atteint. Même là que vous n'avez pas tant. Louyo, dans le temps, je dois sauver, c'est vrai. Mais on sait le bagaille. Soyez prudents, comme les serpents, et simples, comme les colombes. Bon Dieu, pas suspendre, plutôt, présence-le. Que bon Dieu bénisse. Nous souhaitons rejoindre dans l'autre mois pour l'autre rubrique. Passons agréable journée dans les Seigneurs. Amen. Amen. Amen.